grosse, grosse ambiance hein, ici à Saint-Aubin-du-Cormier. Les Final Masters vont maintenant commencer, mesdames et messieurs. Dernière finale de cette deuxième journée de compétition. On n'a pas mangé, on est très bien. Ouais, on n'est pas bien là. Vas-y, se prendre un signature après. Hein. Mais ça, c'est les vraies ambiances, tu comprends? Zen Matou. Kegs qui raconte les mésaventures des déconnexions au serveur dans Street Fighter 5. J'avoue. Quoi qu'il t'arrive dans Street Fighter 5, si jamais tu es déconnecté des serveurs, tu retournes à l'écran titre. Que tu sois dans le mode solo, dans le mode survival, en FT10, en mode amical ou dans un truc, t'es baisé. Ouais, on est à Saint-Aubin-du-Cormier, c'est ça. On est à Saint-Aubin-du-Cormier, ouais. Mais non, c'est pas loin, mais c'est à côté, bien sûr c'est à côté. Évidemment. Aïe, mais marche-moi sur le pied, je veux dire. Et d'ailleurs, à Saint-Aubin-du-Cormier, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit devenir propriétaire, il y a une pancarte à l'entrée, hein. Devenir propriétaire à Saint-Aubin-du-Cormier, c'est possible. Tout le monde ici peut vous aider à devenir propriétaire. Et la deuxième possibilité que vous pouvez, c'est donner à l'église. Voilà. Vous pouvez donner à l'église, c'est possible à Saint-Aubin-du-Cormier. Voilà, donc si vous c'est avez super envie... C'est important. C'est très important. Si vous voulez donner à l'église ou devenir propriétaire, Saint-Aubin-du-Cormier, c'est ici qu'il faut être et jouer au dard. C'est à côté de Rennes. Bien sûr, c'est tout à côté de Rennes. Donc tu deviens propriétaire à Saint-Aubin-du-Cormier et tu vas travailler à Rennes. C'est le meilleur plan possible. En plus, il y a tout à Saint-Aubin-du-Cormier. Tu crois qu'il n'y a rien, mais il y a tout. Il y a tout, des petits commerces, des machins. Il y a même, un magasin d'informatique qui nous a fourni tous les câbles dont on avait besoin pour ici. Avec un mec qui était putain, complètement OP. Ah putain, Captain Torpy, il sait, vous donnez au denier, c'est exactement ce qu'il y a décrit sur l'affiche. Mais oui, c'est ça. Ah, vous donnez Captain au denier. Torpy, ouais, c'est ça. Ah, ouais, il connaît. Il connaît. Moi j'adore les tweets Dragon Ball Z sur le online de Street Fighter 5 parce que ça donne, c'est tellement ça, les mecs ils se téléportent, ils arrivent et ensuite il y a un rollback. C'est tellement stylé. Oh là là, j'ai loupé le Splatfest, c'est jusqu'à 5h du mat. Oui, ben on peut pas tout faire hein. Prendre du plaisir aux fléchettes et jouer à Splatoon. Oh attention hein. Simple 11, simple 10 et bulle. Petite ouverture. Allez, la finale est lancée, c'est parti, c'est en BO3. Ah. C'est notre cher des tototes qui a perdu son béret. Je sais pas comment il fait pour être aussi précis, c'est pas possible, je te jure. Hein ? Oh là là, ouais. L'OTAN, hein, quand même. C'est impressionnant. Le meilleur choix, est-ce le proprio ou l'église? Mais les résultats. Je ne sais pas, ça doit être... Je pense que c'est là. La VR, c'est le meilleur choix. Grosse trop. J'avoue. Et demain, on va en Chine. Oh bah, bon. Ça va. Si oh, regarde les bâtards avec la photo. Mais où est-ce qu'ils sont tous? Ils sont là à la romerie, putain. Hein? Ils sont où? Hein? Ils sont... À la romerie à Saint-Michel à Paris. Ah ouais? Il fait de l'anniversaire de Kaoru. D'accord. L'anniversaire de Kaoru à la romerie. Très intéressant. Eh bien ici, on a mieux que la romerie. On a le tournoi des fléchettes. Au moins ici, j'ai la buvette gratuite. C'est ça, buvette gratuite pour la fille du patron. Eh ouais. Fred, là, tu la raconte pas, t'es la fille du patron. Aïe. Une seule bulle sur ces trois flèches. Peut-être un hat-trick, c'est fait. En niveau master, ça commence à pas déconner. Généralement, on a un bon niveau de bulle en master.
Ouais, bulle. Le triple 20 est plus difficile à viser quand tu fais un 501 ou un 701. Ah, toujours l'éternel débat. Mais pourquoi il vise pas triple 20? Mais pourquoi? Parce que la bulle elle prend plus de place sur la cible, c'est plus facile à viser. Bah oui, la bulle est plus facile à viser, mais surtout ça prend moins de risques. Vous ne rendez pas le compte, le risque que c'est de faire triple 20, c'est hallucinant. Pourquoi ils font pas triple 20? Ça score plus, pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur. Il n'y a que Boris qui met des coups de pression sur le triple 20. Il n'y a que lui que j'ai vu faire ça. Boris, il y a des fois, il met un petit coup de pression. À triple 20, tu sais pas pourquoi il y a un triple 20 qui arrive comme ça. Coup de pression direct. Si jamais il rate, il retourne à la bulle. Ouais, ouais, bah c'est très bien qu'un cri comme ça aussi. Allez, 222, faut me faire descendre ce score là. Pourquoi ils font pas que des hat-tricks? Pourquoi ils ne font pas que des three in the bed? Pourquoi ne sont-ils pas les meilleurs joueurs du monde? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des robots? Ah mais j'ai la flemme, j'ai pas mangé, je suis malade. Personne n'est venu me donner à manger, j'en ai rien à battre. Ils m'ont laissé crever sur mon stream. En mode j'en ai rien à foutre. T'as vu Malek, c'était pour toi. C'était pour toi, c'était cadeau. C'était cadeau. Allez, malheureusement, c'est raté. La bulle est ratée aussi. Avec une somme des scores pour la team bleue de 166. Eh bien, il y a probablement un Frozen, mais qui risque d'être défrozen tout de suite sur cette bulle. Ouais. Descendre encore, peut-être à 33. Non, il a raté le hat-trick. Demain, ils sont censés finir à 20h max. Parce que, étant donné que c'est dimanche et qu'il y a des gens qui rentrent chez eux le dimanche, parce que lundi, les gens travaillent, on est censé finir à 20h, ce qui n'est approximativement jamais le cas. Triple 2, c'est pas idéalement ce qu'il voulait à mon avis, mais ah, j'ai confiance en toi, même si tu n'as plus ton béret. Mais oui, mais tu peux le faire. Allez, les tototes pour le premier point. C'est raté. C'est raté, même s'il prend le leadership avec 46 points restants. Dans ce niveau master, un simple 18 et une bulle est suffisant. Simple 17 du coup, voilà. Et la bulle maintenant. Voilà, grâce à la bulle, c'est gagné. Et c'est donc le premier point pris par les outsiders. Oh, j'ai la flemme, je vais quand même noter. Comme ça, vous allez pouvoir avoir tout. Et ça me maintiendra éveillé de taper des trucs. Voilà. Allez, ça fait 1-0 pour les outsiders. Et je me suis complètement trompé.
Ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai eu une frayeur. Pourquoi? Elle m'a dit, mais non, les deux finales se jouent sur la scène. Donc ça allait te rajouter un match, mais non, c'est bon. C'était très drôle. Bon, les tototes sont très en avance hein, sur ce cricket en attendant. Pas mal. Pas mal du tout cette fermeture du 18 là. Oh, ça ouvre au triple 17. Oh, ça attaque vite. Ça attaque vite, ça attaque fort. Ça passe devant au score chez les outsiders. Le truc c'est qu'avec le 20 et le 19, le score va très probablement vite s'inverser. Après, il faut bien viser. Encore une flèche de raté. Et avec seulement 20 points de scoré, eh bien, ça laisse une chance peut-être aux outsiders de prendre l'avantage dans ce cricket. Après, il faut être très précis. Ça m'étonnerait qu'ils réussissent à fermer le 20 et le 19 comme ils le voudraient. Voilà, 19 est raté en double 19. Et là, le 17 est raté. Non seulement il n'a scoré que 17, mais il a raté le scoring sur la troisième fléchette. Et la fermeture du 19 sur la deuxième fléchette. C'est très mauvaise opération là pour les outsiders. Le truc c'est que là les tototes ont du mal à viser le 20, mais ferment le 17 quand même. Voilà, ce triple 17 est très bon. Ça permet aux adversaires de ne plus pouvoir scorer, mais ils sont en avance au score, donc ils n'ont pas vraiment besoin de scorer. Bon, bah là maintenant ils ont besoin de scorer, puisque c'est un tri in the water closet. Je crois qu'on peut appeler ça un three in the water closet, hein, puisque 3 triple 8, ça ne vaut des points que dans les chiottes. Mais 3 triple 8, c'est stylé, mais ça ne sert à rien malheureusement au cricket. Oui, Captain Torpy. C'est gratuit l'entrée. Oui, l'entrée est gratuite, par contre si vous voulez jouer, c'est payant. Jouer dans le tournoi, c'est payant. Ouais. S'ils veulent faire du free play, c'est gratuit. J'avoue. De toute façon, si vous voulez payer, il y a la buvette. Hein. Tu le connaissais pas, celui-là, Malek, hein. Le Three in the Water Closet. Eh bien, voilà, ça, c'est cadeau. C'est parce que ça existe tellement pas qu'on connaît peu le terme. Mais... J'ai bien taffé mon bouquin des termes des darts. Et je peux t'assurer que ça existe. Allez, 246 points. Les outsiders ont repris légèrement l'avantage. Mais bon, ils ont tellement de retard. Pour les tototes, ça semble être un bon cricket, je pense. Fermez le 15. En 3 fléchettes peut-être. Non. Je sais pas s'il doit scorer ou pas. Tire. Ah, c'est raté. C'est raté. Allez, là c'est le moment. C'est vraiment le moment de fermer ce 20 et de fermer ce 19. Oh là là, pourquoi est-ce qu'ils insistent tout le temps? Ils se disent qu'ils pourront plus scorer après. Là, c'est encore 2 fléchettes de gaspillées. Vous voyez, ça passe tellement près du triple 15. C'est tellement agaçant. Ouais, 15 points de marqué sur ces 3 fléchettes. C'est pas top. S'il vous plaît, arrêtez de bailler à côté de moi, mademoiselle Mélodie Misu. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh là là,
Allez, pour les tototes, normalement, ça devrait être bon, là. Les outsiders peuvent scorer que la bulle, mais théoriquement, ça suffit pour gagner. Hein. Après, faudrait vraiment être très, très, très fort, là. Réussir à scorer la bulle de façon intense, puis ensuite fermer le 20, fermer le 19. Easy. C'est du niveau pro, ce genre de coup. En plus, on a éteint toutes les lumières, du coup, on ne voit plus rien. Sois habitué à jouer dans le noir. Le lien du challenge. Allez, le triple 19 est raté. Malheureusement, avec un simple 19, il n'y a pas le choix de toute façon. Est-ce qu'il va essayer de s'attaquer au triple 20 pour se rassurer? Non, mieux vaut assurer le 19. Il assure le 19. Malheureusement, c'est la troisième fléchette qui termine en triple. Et là, ce triple 20 va tuer la game. Allez, encore une bulle. Et ça sent le 1 partout, même si la bulle ici est ratée. Il n'y a plus de solution, ils sont en avance à la bulle. Sachant qu'il n'y a pas de trip dans la bulle. Ouais, ça ferme le 20 quand même. Là, c'est juste une histoire de précision dans la bulle. Allez, un low-turn suffit pour permettre... Voilà, même pas besoin d'un low-turn. Double bulle et c'est suffisant. Un partout entre les tototes et les outsiders. Et on va jouer un nouveau 501. Est-ce que tu crois... Magnifique, hein. Ça commence très très bien. Hein. Ouais, je sais, je suis plus trop là, hein, désolé, je sombre complètement dans l'oubli. Veuillez m'excuser pour ça. Je suis... Étant donné que ma propre femme ne m'a pas apporté à manger de la journée. M'a laissé sombrer dans la maladie, seul face au stream. La navette pour Fougère est arrivée. La navette pour Fougère est arrivée. La navette pour Fougère est arrivée. Niveau national, niveau master, la navette pour Fougère est arrivée. Grosse intervention.
que j'ai fait encore? Ouais, je sais, Mizu. Je suis pas partie avec l'anglais. Quel anglais? Elle est partie avec l'anglais, elle est partie avec le belge, elle est partie avec tout le monde. Avec le croate. Elle m'a laissé crever derrière mon stream. C'est pas grave. Tu manges actuellement sur ma gueule. Putain, mais qu'est-ce que je donnerais tout pour un peu de nourriture. Voilà, je t'ai demandé si tu voulais pas que j'aille te chercher un truc, tu m'as dit non, je suis trop hype. Mais tu vas pas partir dans la nuit et le noir et le froid pour non, aller me chercher une pizza, Nemour. Autant qu'on mange ensemble, c'est mieux. Les Outsiders sont en bleu et les Tototes sont en rouge, si vous n'avez pas suivi. Et actuellement, ce sont les Outsiders qui mènent au score. Avec 455. Oui, parce que c'est un score dégressif, hein, au 0-1. Et ils sont encore 647, hein. Vous êtes ouf ou quoi? Les McDo à Fougères, ils sont ouverts toute la night le samedi soir. C'est clair. Non, on est samedi ou vendredi? On est samedi, je crois. Je crois. C'est toute la night, c'est quoi toute la night? Vendredi et samedi soir, c'est H24 les McDo à Fougères. Ah ouais? Bah oui. Sérieux? On peut y aller à 6h du mat. On non, ira... bah, ça existerait bah, pas ça à Paris. Les sorties de boîte, tu crois qu'ils font comment? Les mecs sont obligés de rester ouverts. Hein. Putain, les sorties de boîte, mais ces ambiances malgaches. Oh là là. C'est tellement chaud. Allez. On peut clôturer ce 0-1 là pour les tototes. Triple 20, triple 19, triple 16. C'est raté. À Fougères, il y a deux McDo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Concentrons-nous sur le match. Hein? Ouais, rentre, Dany, rentre, mais vas-y, rentre, de toute façon, ça fait trop longtemps que... Ça fait trop longtemps que t'es mort, mais va pas mourir sur la route, hein. Ah, ces petites natures qui n'arrivent même plus à tenir. J'ai 42 fièvres et à 23h20, je les couche, quoi, ces gamins. Allez, voilà, ça réussit à défrozen, mais ça risque de prendre un frozen juste derrière, là, malheureusement. Les tototes ne pourront très probablement pas terminer ce 0-1. Oh, t'es pas sérieux? Out? Out? Mais elle s'est plantée, la flèche! Alors là, c'est un moment critique. Aïe, mais cette flèche out plus un simple 5, c'est le gros raté qui malheureusement empêche le frozen. Et du coup, les tototes sont libres de terminer 0-1. Double 14 et c'est fini. Oh, c'est réussi! Et voilà, ça craque pas dans les moments difficiles. Les tototes sont là. Les tototes sont là. 2-1 pour les tototes. Ah oui, c'est un immense raté là de la part des Outsiders. Il n'y a pas collusion. Bah oui, mais la machine a toujours raison. Exactement, Malek. Exactement. C'est un jeu vidéo. Les fléchettes électroniques, c'est un jeu vidéo. La machine a toujours raison. Point final. Il n'y a aucune embrouille. Tu ne peux pas contester. Si la machine te dit out, c'est que c'est out. C'est tout. Voilà, après, c'est sûr que si la machine bug et que la flèche est plantée et qu'elle te dit out, là, bon, tu peux récupérer, tu vois. Mais la flèche n'est pas plantée, elle te dit out, c'est out. Il n'y a aucun mind game. Allez, c'est peut-être le dernier criquet. Oh, magnifique! C'est
peut-être le dernier criquet de cette journée. Les Outsiders sont en rouge et les Totot en bleu. Après, vous savez que sur la machine, tu peux revenir un tour et après marquer le score toi-même. Donc même si la flèche est plantée et que la machine s'est trompée, tu peux refaire le score, vous en faites pas. Mais là, dans un cas de out, c'est la machine qui a raison. Si la flèche n'est pas plantée. C'est en 4. Premier arrivé à 4, pas à 3. Ah bon? Non, non, c'était en 3 en mixte. Bah là, c'est en 4. C'est en 4? Enfin, en tout cas, en pro, c'était en 4. Oui, en pro, c'est en 4, mais là, on est en niveau master. Je sais pas, alors. Peut-être, hein, peut-être le niveau master c'est en 4 aussi, hein, sûrement. J'en sais rien. Je ne sais plus. J'ai faim. Je veux manger. Bah oui, tout le monde s'est barré, évidemment. Est-ce que tu crois qu'avec ma connexion 3G, je peux jouer à PC Géo? Non, tu peux pas. Mais Daigo il développe tous ses trucs. Il a maintenant son propre stream, sa propre école de jeux de combat, son. Il est devenu en mode. Et Twitch a fait la promotion du stream de Umehara Daigo. C'est incroyable. Il va avoir son adresse de stream. Daigo The Beast V, ça va s'appeler. Son channel Twitch. Le channel Twitch de Daigo. Ouais, y a pas de soucis, t'en fais pas. Le channel Twitch de Daigo, l'école de Daigo. Il est même pas capable de dragonner, louper Fiasco. Oh ben va, il animera rien du tout comme stream, juste il jouera. Daigo ski. C'est ça, Daigo ski. Ouais, c'est exactement ça. Daigo ski, Daigo à la page. Daigo se met au tennis. Daigo à la ferme. Daigo sur Twitch. Daigo à l'école. Daigo à la télé. Daigo versus loupé. Daigo s'essaye aux fléchettes. Daigo aux fléchettes. Si Daigo il rigole quand il a bu. Ouais, quand il boit. Quand tu l'as bu, il rigole. Daigo chez les ch'tis. Daigo chez les ch'tis. On aura bientôt tout ça. Maintenant, on n'a toujours pas Daigo gagne les veaux, hein. Depuis longtemps. Oh, ça parle mal. T'es moi, sûr que tu laisses le MacBook là, toi? Je dis ça, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est assez violent ici, la domination pour le moment. La domination des tototes est totale sur ce cricket. Ils ont tous les scores pour eux. Je sais pas si vous avez ce tableau. C'est raté, mais c'est quasiment gagné. C'est gagné, c'est bon. Encore un tour et c'est gagné. Allez, 3-0 pour les tototes. C'est au bout de cette flèche. Tiens, regarde, ça marche. 3-1, pardon. Et voilà, c'est fait. 3-1. Ça se serre la main, c'est terminé. C'est pas en 4 alors? Eh bien non, ça ne semble pas être en 4.
Magnifique cricket de fin en tout cas. Les Tototes qui remportent donc cette finale Master 3-1 face aux Outsiders. Et moi je suis impressionné.